Bonjour à toutes et à tous. Alors, mais quel plaisir de vous retrouver. Alors, désolé pour cette absence qui fut quand même assez longue. Enfin, c'est vrai que j'ai eu de gros problèmes de santé. Enfin, on ne va pas tout élaborer là-dessus. Le problème, enfin, le problème, c'est qu'il y a un médecin vraiment très compétent qui avait trouvé le problème. Il suffisait simplement de continuer un médicament qu'on m'avait demandé d'arrêter. De, enfin, voilà, tout simplement. Et voilà, donc ça va nettement mieux. Alors mais ce qui s'est passé aussi avec ce temps que j'ai été euh, hospitalisé, c'est que j'ai eu de gros problèmes au niveau quand j'ai voulu reprendre mon ordinateur, c'est qu'il a été piraté. J'avais perdu mes adresses mail ainsi que Affinity Photo. J'ai dû de nouveau réécrire par après euh, en récupérant mon adresse mail vis-à-vis d'un ami qui est très compétent en informatique, qui a pu enfin retrouver mes adresses, parce que je ne vous dis pas la galère pour retrouver et récupérer mes adresses mail quand vous êtes sur Microsoft, c'est un truc de malade. Enfin bon, ici, il a vraiment contourné, je pense le problème, c'est que j'ai pu récupérer mon adresse mail, mais tout ça il m'a fallu du temps. Enfin, je suis pas là pour tout 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 élaborer. Problème, enfin, c'est que je puisse enfin vous retrouver et ça me fait un énorme plaisir. Désolé si j'ai pas su répondre à énormément de messages. Enfin, voilà. C'est que ici, je puisse enfin maintenant retrouver tout cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi Pendant ce moment-là, j'étais occupé, moi, tout simplement, avec le PC que j'avais. C'était de regarder des vidéos que jamais, c'était sur Blender. Pourquoi Parce que j'utilise Blender aussi. Et j'avais rencontré une personne vraiment très, 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 très sympathique, que je vais vous montrer ici. Voilà. Qui est Blender DN33. Cette personne se nomme Didier et j'ai eu l'occasion de discuter avec cette personne qui est vraiment extraordinaire, très sympathique et qui est là vraiment pour vous aider si vous avez le moins de problèmes sur Blender. Je vous invite vraiment à aller visiter sa, sa, sa chaîne, de vous abonner, voilà, il fait vraiment de très beaux tutos, si vous avez vraiment un problème au niveau de Blender, il va y répondre, c'est vraiment quelqu'un de très très intéressant. Et il m'a même fait des vidéos quand j'avais eu un problème, une vidéo complète qu'il m'a envoyé, euh, quand j'avais récupéré mes adresses mail, bien sûr, qu'il m'a envoyé euh, uniquement vis-à-vis -vis de mon problème. Alors je vous invite vraiment à aller voir cette personne. Et j'ai vu aussi dans un de ses tutos quelque chose qui peut être très intéressant. Je vais vous donner un exemple euh, d'une image. Parce que bon, euh, il faut aller revoir sa chaîne, ici pour ceux qui n'ont pas Blender. Je vais vous montrer de quoi il a parlé exactement. Donc, si vous avez une image, vous voyez que vous voulez dire Tiens, je vais l'enregistrer. Vous faites un clic droit dessus sur l'image et vous faites enregistrer l'image sous. Qu'est-ce qui se passe et Vous voyez que vous pouvez ici l'extension fichier web. Vous me dites Oh là là Mais il est vrai qu'actuellement, euh, que ce soit GIMP ou d'autres programmes maintenant, peuvent justement télécharger ce fichier avec l'extension web. Mais que pouvons-nous faire par exemple pour y remédier Ben si vous allez ici maintenant dans l'extension, dans les extensions, si je vais ici dans plus d'outils que je vais dans extensions. Vous voyez ici, j'ai deux fichiers que je vais activer. Voilà. Si je retourne dans mon image et que je fais un clic droit. Vous voyez maintenant, je peux ici, Save image à ce type, en JPEG ou en PNG. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Alors, comment obtenir justement ces deux extensions Eh bien, je vais vous donner les liens que je mettrai dans la description, en dessous du tuto, comme Didier a fait exactement vis-à-vis -vis ici dans Blender. Donc, qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir... Soit, quand vous allez ouvrir euh, le fichier que je mettrai dans la description, vous pouvez tomber sur cette page. Vous voyez Il y en aura deux. Hein Puisque vous avez vu que dans mes extensions, il y en a deux. Il y en a un qui, qui sert pour euh, justement pour les images et l'autre pour l'HTML. Alors, euh, si je vous avez dit que. Voilà. donc ce n'est pas ça. C'était sur ça. Vous allez tomber sur cette page-ci. Il vous suffira tout simplement de cliquer ici quand vous descendez Save Image As. Vous allez soit tomber sur ça, ou vous allez tomber sur ça de suite. Moi, comme il a été installé, ben ici, vous n'aurez plus qu'à l'installer ici, que ce sera affiché uniquement pour Chrome. Hein. Donc vous aurez deux, deux fichiers à télécharger. D'accord Vous aurez celui-ci, qui est le Save Image As type. Et vous aurez celui-ci, l'image Downloader. Okay? Je mettrai les deux fichiers dans la description. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi J'ai remarqué que si on va dans Affinity Photo, vous savez que moi, j'ai ici la version. J'ai la version, j'ai la version, j'ai la version. Et la version est propos la version 1.10.5 d'accord qu'est ce qui s'est passé maintenant c'est que nous sommes sur la version 2 tu me dis ah oui mais qu'est ce qui se passe dans la version 2 c'est qu'elle est à moins 40% d'accord si on veut reprendre le pack complet, c'est-à-dire pour Affinity Designer, Affinity Photo et Affinity Publisher, nous sommes à 119,99 euros. D'accord. Soit nous pouvons acheter, soit Affinity Photo qui est à 48,99. Ok, c'est très bien. Mais vous me dites, mais pourquoi pas justement faire une mise à jour, puisque voilà pour ne pas acheter. Mais si on regarde un peu plus bas, ouais, dois-je effectuer une mise à jour? Et on regarde ici, en fait, cette mise à jour est entièrement facultative. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à utiliser les applications d'origine aussi longtemps que vous le souhaitez. N'oubliez pas que la version 1 ne fera plus l'objet de mise à jour. D'accord. Ça veut dire que maintenant, ben, si vous voulez avoir la nouvelle version, eh bien, elle est payante. Oui. Donc, si vous souhaitez passer à la version 2, vous devrez payer. Voilà. Donc, maintenant... Est-ce que c'est intéressant? Mettez-le moi dans le commentaire si vous voulez réellement que j'achète euh, la version 2 parce que vous l'avez acheté vous-même et que vous, vo vous voulez voir toutes les nouveautés. Mais maintenant, c'est vrai que la plupart, je pense, ne l'ont pas acheté. Voilà. Est-ce que ce serait intéressant aussi pour moi que je garde la version 1? D'accord? Parce que je suppose que la plupart des affiliés, des, des abonnés, ben, ont encore la version 1. Mettez-le, -me euh, s'il vous plaît, mettez-le-moi dans le commentaire, si vraiment c'est intéressant euh, d'obtenir la version 2. J'aimerais le savoir. Voilà, c'est vraiment très important pour moi. Parce que si maintenant j'achète la version 2 et je commence à montrer des vidéos par rapport à cela, et que les abonnés ont toujours la version 1, ben, ils ne pourront pas effectuer les manœuvres que je vais faire via la version 2. Donc merci de m'écouter et je vous dis encore un grand merci, un grand merci, un grand merci de l'écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto, mais là qui sera vraiment dans la composition de certaines images. Donc n'oubliez pas de me mettre dans le commentaire si la version euh, 1, je reste dessus, ou si vous voulez vraiment avoir la version 2. Alors encore un grand merci, je vous fais de gros gros, gros bisous à tous.